Bonjour à tous, je suis le docteur Subramanian, médecin consultant en gastro-entérologie, travaillant à Padiyat Medicity, hôpital du cinquantenaire de Kinshasa. En effet, en gastro-entérologie, nous nous occupons des maladies du système digestif, qui comprend les maladies de l'œsophage, de l'estomac, du pancréas, du foie, de la vésicule biliaire, de l'intestin grêle et du gros intestin. Qu'en est-il de la maladie à ictère ou jaunisse? Ici, vous pouvez voir le foie et à l'intérieur du foie, de nombreux canaux biliaires par lesquels la bile arrive et est connectée dans la vésicule biliaire. Dans la vésicule biliaire, des calculs se forment parfois chez certains patients. Les calculs, s'ils sont très petits, peuvent passer du canal cystique au canal biliaire commun. Cependant, lorsque les calculs bloquent le canal biliaire commun, les patients développent un ictère. Et donc, pour soulager l'ictère ou jaunisse, nous passons l'endoscope à travers le tube alimentaire, l'estomac et arrivant à l'intestin grêle. Nous coupons l'ampoule ici et nous passons le fil guide et quelques instruments pour enlever les pierres dans le canal biliaire commun. Ainsi, le patient sera finalement soulagé de son problème d'ictère. Ceci est appelé ERCP. Je vous remercie.